came into my life. I thought that I was dreaming because you showed me your dance for life. En troisième ligne, j'ai lu The Opposite of Loneliness de Marina Keegan. Marina Keegan est une américaine qui est née en 1989. Et qui est morte dans un accident de voiture en 2012, 5 jours après avoir reçu son diplôme universitaire. Donc certains de ses essais et nouvelles ont été publiés dans le New York Times. Donc ce livre, The Opposite of Loneliness, c'est un recueil d'essais, d'histoires. Donc il y a une partie fiction et une partie non-fiction. Où elle nous parle un peu, en fait elle nous donne un peu sa vision du monde. Donc c'est son écriture, elle a un style assez frais, assez innocent mais en même temps lucide. Elle nous parle des préoccupations des jeunes et j'ai bien aimé. Il y a vraiment des essais que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'autres un petit peu moins, où j'ai moins adhéré, mais ça reste un très bon moment de lecture. Alors je crois que l'essai que j'ai le plus apprécié, c'est justement The Opposite of Loneliness, qui est l'essai texte qu'elle a lu lors de son diplôme, de la cérémonie pour son diplôme, si je m'abuse, où elle parle justement de ce qu'elle ressent à l'idée d'être diplômée et de commencer sa vie d'adulte. Sinon, il y en a d'autres que j'ai bien aimées. Il y avait quoi ? I Kill for Money, qui est assez marrante, donc un petit peu d'humour. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'humour. Cold Pastoral, Winter Break, The Emerald City. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, donc je vous le conseille, c'était une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très très bonne lecture. Donc je vous la conseille.